Bonjour à tous, salut Sébastien. Bonjour. J'ai vu qu'il y avait le titre qui n'avait pas été changé sur la slide, mais c'est pas grave. Je suis désolé. Tu C'est ma faute. es pardonné. Ça Bonjour, ça va et toi? J'ai l'impression qu'il y a un décalage quand on parle, non? va. Bon, ça va, tu m'entends? Est-ce que tout le Oui, monde je nous entend t'entends. dans le chat? Je pense. L'image est très floue. Oui. L'image est floue. À quel niveau? Est-ce que c'est les slides ou nos webcams, nos voix? Les deux. D'accord. Peut-être, donc c'est Marie-Pierre qui disait ça. Peut-être que vous pouvez essayer de rafraîchir votre page pour voir si ça fonctionne mieux. Parce que si ça peut venir de ça ou de votre connexion Internet aussi parfois. Yes, ça marche. Parfait. Bon, bah donc on va commencer ce webinaire. Donc bienvenue, bienvenue à tous. Merci beaucoup d'être présents avec nous aujourd'hui. Ah, le son est épouvantable, il y a un écho. Alors, est-ce que vous avez tous un écho ou est-ce que ça vient seulement de Cyril? Attention, hein, parce que si jamais le son peut venir, si vous avez deux fois la fenêtre ouverte, vous avez un écho. Donc vérifiez Ouais. bien aussi que C'est possible. vous l'avez ouvert qu'une seule Après, fois l'outil. ouais, si c'est que de mon côté, moi j'en ai pour 2 minutes juste pour vous présenter rapidement les Folies Web. Après, je laisse la parole à Sébastien. Donc, si ça va de son côté, c'est l'important. Voilà. Donc, bon, je commence et son image. Okay. Bon, allez, on y va du coup. Donc, comme je disais, merci à tous de nous rejoindre pour ce webinaire. Intitulé du coup La méthodologie complète pour créer des pages web convaincantes. Donc ce webinaire, c'est le troisième et dernier webinaire d'une série qui était présentée par Sébastien et qui était dédiée à la thématique transformer vos prospects en clients. Alors si vous n'avez pas pu assister au précédent webinaire, pas de panique, il y a tout qui est disponible sur la chaîne YouTube des Folies Web. Alors pour le coup, on n'a pas mis les 2 premiers webinaires encore sur la chaîne YouTube, mais vous pouvez les retrouver en replay directement sur Webikeo en attendant qu'on les charge sur YouTube. Voilà. Je me présente rapidement. Pour ma part, je suis Michel. Je travaille pour l'entreprise NeoCamino, qui est une solution de communication digitale, et j'organise les Folies Web. Donc, c'est le webinaire auquel vous participez aujourd'hui. Désolée, hein, je radote un peu pour ceux qui ont déjà participé aux 2 précédents webinaires. Donc, je vais être rapide, plus rapide que les fois précédentes. Simplement pour vous rappeler que les Folies Web, donc, c'est des événements web gratuits pour les petites entreprises, qu'on organise sous 2 formats, donc des sessions en ligne comme aujourd'hui, donc des webinars, et aussi des ateliers physiques qu'on organise de partout en France. Donc c'est des ateliers qui ont lieu en soirée durant lesquels on mêle théorie et pratique. Donc que ce soit pour les webinars ou les ateliers physiques, on aborde tous les thèmes autour de la communication digitale. Donc c'est vraiment réseaux sociaux, SEO, site internet, emailing, c'est très varié. Voilà, donc si vous êtes intéressé pour être physiquement présent aux ateliers Folie Web ou simplement participer au webinar, je vous donne rendez-vous, merci Sébastien, pour les slides sur le site lesfolieweb.fr sur lequel vous pouvez directement vous inscrire. Voilà, et pour vous dire aussi un mot rapide sur les 2 partenaires organisateurs des Folie Web, donc qui sont bien un partenariat. Il y a réussir en.fr qui gère les noms de domaine en.fr et il y a aussi NeoCamino, comme je vous le disais. Et nous, on a une solution de communication digitale pour vous, les TPE, pour vous aider à passer à la prochaine étape du développement de votre entreprise via la communication digitale. Donc, on a développé un outil en ligne sur lequel vous avez différentes actions à réaliser par vous-même ou bien que vous pouvez nous déléguer pour optimiser justement le tout au niveau digital. Dans le cas des Folies Web, c'est 2 partenaires organisateurs, donc NeoCamino et réussiran.fr.
On vous propose deux offres qui sont gratuites et qui sont super. Réussir en .fr vous propose un auto-diagnostic en ligne afin de faire, de vous donner les étapes que vous devez franchir pour réussir sur Internet. Donc, ça se traduit par un questionnaire de 20 questions et vous mettez 10 minutes pour y répondre. Je vous fais suivre le lien sur le chat juste après. Et Neo Camino vous propose également un rendez-vous de diagnostic offert avec un de nos experts. Donc là, c'est par téléphone. On vous appelle. Enfin, on convient d'un rendez-vous téléphonique. Au moment de notre échange, on essaye de voir ensemble, de faire le point sur votre stratégie digitale, ce qui va pas, et donc la prochaine étape à franchir pour vous améliorer. Voilà, donc je vous fais suivre toutes ces offres dans le chat. Je vous envoie également le lien YouTube de la chaîne des Folies Web. Sébastien, on vous enverra la présentation parce que sur Webinar Jam, vous pouvez pas télécharger le support. Donc, je vous fais suivre ce support par email. Et voilà, et si vous avez des questions relatives à la communication digitale d'une façon générale, on a aussi créé un groupe Facebook, donc le groupe Facebook des Folies Web. Je vous fais suivre le lien de suite également où vous pouvez poser toutes vos questions en live et on y répond dans les plus brefs délais. Voilà, je te laisse la parole, Sébastien. Merci beaucoup. Je reste en backup, hein, j'entends et je vois ce que tu fais. Donc, s'il y a un souci, je me reconnecte. Voilà. Bon webinaire à tous et merci beaucoup. Parfait, merci beaucoup, Michel. Alors, on est. Alors, je peux couper ton son. Ah, nickel. Alors, bon, là, on n'a pas mis genre le titre, donc ça sera fait pour les prochaines sessions. Bonjour à tous, je suis Sébastien Boer. Est-ce qu'il y en a qui n'étaient pas là les deux derniers jours? Est-ce que vous pouvez nous dire sur le chat si vous n'étiez pas là? Si vous n'étiez, si il y a des personnes qui ne sont pas là, je referai un petit speech sur ce dont on a parlé très très rapidement sur les bases, la conversion et comment ça se passe. Si tout le monde était là, pas de souci, ben on va avancer sur le thème du jour. Aujourd'hui, on va voir une méthodologie, la méthodologie que j'utilise moi personnellement dans mon travail au quotidien pour créer des pages web, des pages de vente. voilà. Donc, on va aborder un petit peu tout ça. Pour me représenter, moi, je suis Sébastien Boer, je suis coach en vente. J'accompagne mes clients à créer des argumentaires de vente pour qu'ils puissent maîtriser leur discours aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Voilà. Et j'ai commencé à l'origine, en tant que réalisateur indépendant, je réalisais des vidéos pour des entreprises et j'étais confronté à toutes les problématiques du type comment est-ce qu'on trouve des clients, comment est-ce qu'on va vendre, comment on développe son entreprise et tous les canaux de communication qui existe. Donc voilà ce genre de choses auxquelles on est tous confrontés. Donc si vous, il y a des personnes qui n'étaient pas là dans le chat, manifestez-vous ces derniers jours. Sinon on peut commencer. Je reconnais évidemment pas mal de noms hein, sur le chat que vous étiez là ces derniers jours. Ok, bah écoutez, je pense que personne ne se manifeste, on va pouvoir avancer. Donc je vous rappelle. On parle aujourd'hui de conversion. Donc, comment est-ce qu'on va faire en sorte que parmi les gens qui viennent voir votre site, ce que vous faites, comment faire en sorte que ces personnes-là, un pourcentage d'entre eux achètent et qu'on élève ce pourcentage et ça nous permettra de faire en sorte, avec moins de gens qui viennent voir votre site, d'avoir plus de ventes. On a beaucoup parlé d'argumentaire de vente. C'est de tout ça dont on a parlé ces derniers jours. On a parlé des bases, des fondamentaux, à savoir parler du client et non pas de soi, mais d'abord du client, du problème qui est soulevé et de la solution que vous apportez à ce problème-là. On a parlé ensuite de différentes techniques hier, notamment des bénéfices et des fonctions, le fait que les bénéfices, c'est sur les bénéfices concrets que se font les décisions d'achat et non pas sur les fonctionnalités de votre produit. Par contre, les fonctionnalités de votre produit, elles vont justifier, elles vont crédibiliser vos offres. Puis on a vu différentes techniques comme la visualisation, l'effet miroir, voilà, ce genre de choses, anecdotes et statistiques, rappelez-vous. Vous pouvez retrouver tout ça de toute façon en replay bientôt. Donc là-dessus, n'hésitez pas si jamais vous avez besoin d'un petit rafraîchissement de mémoire par rapport à ça. La seule chose dont on n'a pas parlé, c'est très bien, on a notre argumentaire de vente. Selon moi, c'est vraiment la base, les fondations que vous devez avoir. Okay, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la sixième étape, finalement. C'est faire du beau quand on n'y connaît rien. C'est quelque chose qui... On va parler surtout vraiment de site Internet. Comment est-ce qu'on construit un site Internet? Comment on fait en sorte que notre site soit intéressant pour que les personnes puissent naviguer dessus facilement et comprendre facilement ce qu'on veut faire? Alors, on va voir un petit peu toutes ces étapes. Alors, il y aura deux parties. Il y aura une première partie où je vais vous donner des concepts, des théories, etc. Je vous parlerai aussi des outils que j'utilise. Et puis, on va essayer de faire une deuxième partie pratique, si on a le temps,
J'espère qu'on aura le temps, ce sera purement expérimental, mais l'idée c'est de vous montrer un petit peu comment ça marche. Voilà. Et puis, voilà un petit peu ce dont on va parler. Alors, faire du beau quand on n'y connaît rien. Donc, si vous avez fait le travail dont on a parlé ces derniers jours, vous allez le faire en tout cas, vous avez les fondations de votre maison. C'est bien, vous avez l'argumentaire de vente de votre maison. Le problème, c'est que si jamais votre maison ressemble à ça, si votre maison, elle ressemble à ça, ou encore si votre maison ressemble à ça, eh ben, va y avoir un petit souci. Vous imaginez bien, il va y avoir un petit souci parce que vous avez beau avoir un très bon argumentaire de vente et être fixé sur ce que vous vendez, ce que vous proposez, les solutions que vous apportez. Si on ne comprend pas comment fonctionne votre site web, si votre site web ne donne pas envie d'être navigué, eh ben, on va pas passer cette barrière des 2,5 secondes. On va s'en aller avant. On disait qu'il y a 2,5 secondes pour les choix de rester sur le site web ou de lire ce qu'il y a, et de lire ce qu'il y a dessus, ou alors de partir de la page, de fermer la page. Donc, il faut vraiment faire en sorte de construire votre site web, vos pages, de manière claire, de manière cohérente, de faire en sorte que ce soit le plus simple possible pour vos clients. OK. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va faire quelques exercices pour vous montrer quelques concepts. Vous savez, hier, par exemple, je vous ai parlé de visualisation, je vous ai dit, par exemple, est-ce que vous vous souvenez d'un moment de la visualisation? J'en avais fait lundi, j'en avais fait hier. Lundi, vous avez parlé par exemple de Netflix. Moi, j'ai trouvé que c'était le lundi à 21h qu'il a fait mauvais toute la journée. Et c'est ces petits concepts qui sont intéressants parce que ça vous permet immédiatement de comprendre ces idées-là. Donc, attention, ouvrez bien les yeux et vous allez mettre sur le chat ce que vous voyez. Ça va durer très très vite. Enfin, ça va être très très court. Donc, attention, ouvrez bien les yeux. Hop, hop. Qu'est-ce que vous avez vu? Mettez-moi sur le chat. Qu'est-ce que vous avez vu durant ce laps de temps? J'espère que mon chat fonctionne parce que. Ah mince, pardon, j'avais pas le chat sous les. J'étais en bas du chat en fait, donc j'avais pas vu qu'il y avait personne qui n'était pas là. C'est un peu flou, des maisons, beaucoup de couleurs. Ce que je vous propose. Alors, est-ce que le récap a été clair aussi du coup? Avant qu'on continue. Parce que, excusez-moi, j'avais pas vu que vous n'aviez répondu. Donc, je pense à Cyril, je pense à Caroline, je pense à Adida, Patricia aussi. Une ville entourée d'eau, vous avez vu. Une citadelle entourée d'eau. Une mosaïque de couleurs. OK. Donc, pas mal de réponses différentes. Alors, on va juste finir ce petit exercice et je reprendrai s'il y a des questions par rapport au récap. D'accord? OK, deuxième étape, ouvrez les yeux. Qu'est-ce que vous allez voir? Hop, hop. Ah, hop. Je suis allé trop loin. Qu'est-ce que vous avez vu juste avant? Essayez de me donner le maximum de détails, hein. Une Waterfree, une voiture noire, une belle Mercedes, nous dit Grégoire. Une voiture 4x4 noire. Une voiture noire. Belle voiture grise. OK, et bah du coup, vous voyez que effectivement, c'est plus simple. Même Grégoire, en fait, nous a même dit le nom de la voiture. En fait, c'est effectivement une voiture. C'est celle-ci. Ce que je vais vous montrer par ce petit exercice, c'est tout simple. C'est qu'en fait, mettre beaucoup d'éléments d'un coup rend le message difficilement clair. Alors que mettre un élément en valeur, l'élément que vous voulez vendre, va tout d'un coup rendre ça beaucoup plus clair en fait. Ça peut pas être évident, mais je vous assure que je croise énormément de sites qui veulent trop en mettre ou mettre trop d'informations, ce qui fait que on perd justement cette information-là. On va voir quelques exemples tout à l'heure. L'image que je vous ai montrée juste avant, c'est celle-ci. C'est l'image issue de Où est Charlie? Donc, c'est effectivement, il y en a qui ont des yeux de ninja, hein, je vois ça. Une citadelle entourée d'eau avec énormément de personnages. Vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup de couleurs, mais en quelques secondes, en une fraction de seconde même, une bonne partie d'entre vous n'ont pas vu clairement ce qu'il y avait dessus.
On n'a pas vu les détails, on n'a pas vu par exemple l'espèce de cheval de Troie en plein milieu, les différentes maisons, différentes armées, etc. Alors que la voiture, on l'a clairement vu. Vous avez vu que c'était une voiture, que c'était une belle voiture. Voilà. Donc ça, c'est le premier concept. Deuxième concept à comprendre. Alors, juste une petite seconde. Alors, deuxième concept à comprendre. Voilà. Hop. Alors, dans quel ordre est-ce que vous avez vu les formes? J'ai ressenti un petit peu de latence. J'espère que vous m'entendez bien. Rouge, bleu et beige. Rouge, bleu, beige, carré bleu, puis rectangle, puis le rouge. Au milieu, puis les côtés. Gauche à droite, de haut en bas, en forme de Z. Je vous le remets. Dans quel ordre vous voyez les formes? Vous fermez les yeux, vous les ouvrez. Essayez de suivre votre regard et de faire en sorte de comprendre vraiment votre regard, où est-ce qu'il va. Vous n'aurez peut-être pas tous les mêmes réponses, hein. Ce n'est pas un exercice universel. Mais globalement, il y a de fortes chances que le gros carré rouge, c'est la première chose que vous voyez. Parce qu'évidemment, ce gros carré rouge, il ressort en fait. Il ressort par rapport aux autres, il ressort par effet de contraste et il est plus gros. Donc la majorité d'entre vous, moi c'est à peu près pareil, hein, c'est rouge, bleu et cette espèce de vert un peu moche. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est ce qu'on va appeler en fait la hiérarchie visuelle. La hiérarchie visuelle en fait, c'est le fait de pouvoir agencer les différents éléments de votre site pour faire en sorte que la personne, quand elle arrive sur votre site, elle ait un chemin de vision claire. C'est-à-dire que vous allez pouvoir maîtriser et faire en sorte que de montrer les bonnes choses au bon moment à vos prospects qui viendront sur votre site. Encore une fois, on va voir des exemples juste après, mais c'est vraiment une façon qui va vous permettre, voilà, de montrer les choses que vous avez envie de montrer, que ce soit une photo, que ce soit une image, que ce soit un appel à l'action, donc un bouton, que ce soit un titre. Si votre titre est plus gros, vous pouvez vraiment jouer là-dessus. Ça, c'est vraiment un concept de base. D'accord? On va voir la technique. Oula, je suis désolé, mon image, c'est une image qui glissait là. C'était une image qui vient après, mais c'est pas grave, décidément. La question que votre prospect ne doit surtout pas se poser, c'est je dois faire quoi? Il n'y a rien de plus terrible quand on arrive sur un site et qu'on en a partout. On ne sait pas exactement quoi faire. On ne sait pas où est-ce qu'il faut aller. Et là-dessus, la petite analogie que j'ai à vous faire, c'est qu'en fait, votre site, vous pouvez faire comme IKEA. Comment fonctionne IKEA? Alors, IKEA, en fait, ils vous font un parcours dans lequel, si vous voulez aller voir les chambres, vous êtes obligé de passer par les cuisines et les salles de bain. Ce qui fait que vous êtes forcément tenté d'aller voir les choses petit à petit. Alors, bon, si vous êtes venu acheter une chambre, il y a peu de chances de vous retrouver avec une cuisine à la fin, mais quand même, vous allez voir ce qu'ils proposent, vous allez voir leurs produits. Et IKEA maîtrise le parcours des utilisateurs. Enfin, des clients, le parcours client dans leur magasin. Et en fait, vous pouvez faire la même chose sur votre site. Beaucoup de personnes font l'erreur de vouloir trop mettre de choses sur leur site. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des pages d'accueil gigantesques, ils vont avoir plein d'informations et ils vont vouloir tout mettre. Alors qu'en fait, vous pouvez vraiment montrer ce que vous voulez. Vous pouvez vraiment faire en sorte, s'il y a une offre particulière que vous voulez mettre en avant, la mettre en avant, elle, avant les autres. Donc, c'est ce genre de choses sur lesquelles vous pouvez travailler. Je vous donne un petit exemple, je vous donne quelques petits exemples par rapport à ce qu'on vient de dire. Un des mauvais exemples, c'est celui-là. C'est un site d'élevage de Yorkshire. Alors, le site fait très vieux, mais vous voyez qu'il est mis à jour pas si longtemps que ça. Par exemple, là, il nous parle de 9 petits chiots nés au mois de décembre 2017. C'est-à-dire que le site est quand même assez récent. Année 2018, prénom avec la lettre O. Donc, vous voyez que c'est un site qui est quand même assez ancien, quoi. Ça s'appelle La Villardière, si ça intéresse d'aller voir. C'est assez fascinant parce que voilà, c'est assez particulier. Le problème de ce genre de site, c'est qu'on en a vraiment partout, les textes sont mis un peu n'importe comment, et finalement, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on doit faire, où est-ce qu'on doit cliquer. Je crois même qu'il y a des liens situés sur les chiens, en fait. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est assez compliqué à appréhender ce genre de site. Et l'important, c'est justement de ne pas tomber là-dedans, de ne pas vouloir trop mettre de choses. Alors là, c'est l'exemple un peu extrême. Ton surton ne voit rien, effectivement, comme dirait Carole. L'idée, c'est qu'on va jouer sur des effets de contraste et on va jouer sur la taille des différents éléments pour pouvoir
développer notre site. Alors, on va voir quelques exemples. Donc ça, c'est Airbnb. Airbnb, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site qui vous permet de réserver des logements. Alors, vous voyez déjà que Airbnb, sur ce qu'on, à base de ce qu'on s'est dit au niveau des argumentaires de vente, sur leur proposition de valeur, c'est-à-dire cette phrase qu'on voit en énorme lorsqu'on arrive sur leur site, c'est très clair et elle est très forte. Réserver des logements et des expériences uniques dans le monde entier. Alors, comment ça fonctionne? Vous voyez que c'est cette grande page blanche. Et qu'est-ce qu'ils veulent vous faire faire à Airbnb? Leur objectif, c'est que vous arrivez sur le site, vous tapez le lieu où vous voulez aller prendre vos vacances et immédiatement, vous arriviez sur des résultats de recherche pour voir des appartements, pour qu'ensuite vous puissiez vous inscrire et dire « Ok, je vais réserver tel logement. » Donc, eux, ce qu'ils ont voulu mettre en place, les choses sur lesquelles ils ont travaillé, c'est la marque Airbnb, on le voit en gros, en coloré, le texte est coloré, et puis cette proposition de valeur, qui est aussi en gros. Ensuite, on a l'appel à l'action. L'appel à l'action, je vais juste vous mettre l'effet juste après. L'appel à l'action, en fait, c'est qu'est-ce que votre prospect doit faire en arrivant sur votre site. Ça peut être notamment utiliser cette barre de recherche. Et en incitant votre prospect à faire ce que vous avez envie de faire par cette action, eh ben, il va plus naturellement le faire. Alors que s'il arrive sur votre site, qu'il n'a rien nulle part à cliquer, eh ben, il va naviguer, mais de manière un peu désordonnée, de manière un peu chaotique. Alors que là, il y a beaucoup de fortes chances qu'on utilise immédiatement cette barre de recherche lorsqu'on est un visiteur pour la première fois. D'accord? On passe à la suite. Donc là, on avait vu l'Apple Watch. Je crois qu'on avait parlé un petit peu de cet exemple lorsqu'on parlait des bénéfices des fonctions. Connectivité cellulaire, rester connecté même sans votre téléphone. Et là, on parle de la montre Apple Watch. Alors, comment ça fonctionne? Si on floute le site, c'est un bon moyen de voir qu'est-ce qui ressort justement. Premièrement, la première chose qu'on voit, c'est la photo du produit en énorme. C'est vraiment ça qu'ils veulent faire ressortir par contraste. C'est ça qui est intéressant. C'est le produit. C'est ça qu'on va acheter. Ensuite, on a la proposition de valeur. C'est qu'est-ce que le produit permet de faire? Comment ça marche? Et quels bénéfices j'en tire? Et ensuite, à la fin, vous avez ce petit bleu là qui ressort sur la page par rapport aux autres couleurs. C'est l'appel à l'action. C'est la troisième chose qu'on voit en arrivant sur la page. Ça vous permet, l'appel à l'action, c'est tout simplement le petit bouton acheter qu'on a en haut de la page. Alors effectivement, là, ça vous paraît petit parce que c'est une capture d'écran sur un PowerPoint. Mais lorsque vous êtes sur votre navigateur, vous le voyez bien évidemment plus gros et ce bleu ressort en fait. Et vous voyez qu'il y a, si vous regardez bien, sur le menu, il n'y a que le bouton acheter. Parce que c'est l'objectif numéro un de cette page. L'objectif numéro un de cette page, c'est de vous faire acheter le produit. Ça, c'est très important. Vous devez définir, en fait, quels sont les objectifs de vos pages, voire mieux les construire. OK, jusqu'à maintenant, on va voir un autre exemple. Cet exemple, hop, c'est Medium. Medium, c'est un site sur lequel on peut écrire des articles. Et eux, vous voyez que leur site, il y a beaucoup plus de choses. Il y a beaucoup plus d'éléments, leur proposition de, malheur, de valeur, etc. Et si on floute un petit peu, eux, ce qui les intéresse, c'est on a la proposition de valeur qui revient. Et puis, on a deux appels à l'action qui ressortent. On a le premier, ici, là, en noir. Et on a un autre appel à l'action qui est dans le menu, en vert, qu'on va voir après. Et si on revient juste après, en fait, c'est exactement le même. C'est-à-dire que Get Started, donc inscrivez-vous. Inscrivez-vous, commencez à utiliser Medium. Eux, leur objectif, sur leur page d'accueil, c'est de faire en sorte que vous inscriviez sur le site et vous commenciez à consulter du contenu. C'est ça qui compte pour eux. Donc, le parcours de votre utilisateur, c'est qu'est-ce qu'il est censé faire, d'où est-ce qu'il vient et est-ce qu'il vous connaît déjà. Peut-être que vous voulez prendre des notes, je vous le remets juste avant. Donc voilà, c'est la première chose à bien comprendre, c'est que vous pouvez vraiment agir sur ce que va voir votre utilisateur, ce qu'il va faire. Donc, qu'est-ce qu'il est censé faire, d'où vient-il et est-ce qu'il vous connaît déjà. Ok, jusqu'à maintenant, si vous avez des questions, on en parle juste après. Deuxième technique, c'est la technique du serial killer. L'idée, c'est d'éliminer pour mieux diriger. Alors, en gros, c'est des questions qu'il veut vous poser sur votre site pour savoir si vous devez killer ou garder. Donc, killer, ça veut dire supprimer de votre site. Déjà, qu'est-ce que je veux que mon visiteur découvre avant tout sur mon site? Quels sont les éléments que je dois avoir sur ma page d'accueil pour le convaincre de rester sur le site? Qu'est-ce qu'il doit voir, qu'est-ce qu'il doit comprendre, qu'est-ce qui doit être simple pour lui? Ok, je crois qu'il y a une petite erreur sur le carnet. Je suis désolé. Là, en fait,
J'ai édité la présentation un peu à dernière minute sur certains sujets. Et il y a quelques petites erreurs qui sont glissées, donc vous m'excuserez. Autre question que vous pouvez vous poser, c'est comment simplifier votre menu? Est-ce que votre menu est indispensable? Sur l'exemple d'Apple, on a vu que le seul chose qu'ils ont regardé sur leur menu, c'est le bouton acheter. Est-ce que votre sidebar est utile? La sidebar, c'est ce. Vous savez, vous avez dans votre site en général, vous avez une grande colonne. Et puis certains sites ont une autre petite colonne sur le côté droit ou gauche. Par exemple, sur Facebook, ils ont trois colonnes. Ils ont une colonne sur le côté droit, une colonne sur le côté gauche et une au milieu, qui est beaucoup plus grande, qui est votre fil d'actualité. La question que je vais vous poser, c'est est-ce que dans votre cas, votre sidebar, vous aide vraiment à simplifier la lisibilité de ce que vous faites? L'autre question que je vais vous poser, c'est est-ce que vos photos sont de bonne qualité et reflètent l'image de votre entreprise? Et là, je vous parle des photos stock. Je vous dis de les tuer sans aucune pitié. Ces photos stock, c'est ces photos où on voit des personnes absolument parfaites, faire des grands sourires, incroyables. Et en fait, le problème de ces photos, c'est que beaucoup de gens l'utilisent, mais c'est très impersonnel. Et ça donne un côté corpo, c'est vrai, mais vous auriez gagné, c'est un avis personnel, à avoir des photos qui vous correspondent, qui correspondent à la philosophie de votre boîte, de votre projet, et qui représentent vraiment, voilà, les choses que vous voulez véhiculer par rapport à ça. La règle d'or des conversions par rapport à ça, c'est que une page égale un objectif. Autre chose, c'est tout ce que vous devez vous poser aussi comme question par rapport aux appels à l'action. Est-ce que la personne qui doit venir sur votre site doit s'inscrire à une liste mail? Est-ce qu'elle doit commander votre produit? Est-ce qu'elle doit prendre contact avec vous? Vous voulez qu'elle regarde une vidéo? Est-ce que vous la renvoyez sur une autre page de votre site? Est-ce que vous la renvoyez sur un article ou un contenu ou s'inscrire à un événement? C'est quelque chose que vous devez définir. La personne qui arrive sur votre site, en 2,5 secondes, elle prend sa décision. Donc, quelle est la chose prioritaire que la personne doit faire en arrivant sur votre site? C'est vraiment quelque chose que vous devez vous poser comme question. Ok, jusqu'ici, je vous remets un petit peu ça rapidement. Et si c'est ok pour vous, on passe à la suite. Regardez un peu l'heure, histoire qu'on ait bien le temps quand même de faire les présentations. Ok, sur le chat. J'espère que mon chat se met à jour. Ok, bon, c'est bon, je reçois les infos. Ok, nickel, parfait. Alors, on va parler de la technique de la boîte à chaussures. La boîte à chaussures, l'idée de cette boîte à chaussures, en fait, c'est de concentrer des idées, de générer des idées. Lorsque vous allez monter vos pages, votre site, vous avez besoin d'avoir une vision d'ensemble sur ce qui se fait. Vous avez besoin de générer des idées, vous avez besoin de trouver des concepts, vous avez besoin de trouver des informations, de voir ce que font vos concurrents et de voir ce que font d'autres personnes sur leur marché à eux. En fait, vous devez comprendre que pour créer des idées, c'est finalement pas si compliqué que ça. Vous avez une idée A, vous avez une idée B, et en les assemblant, vous avez une idée C. Et ça fonctionne à peu près partout. C'est-à-dire que vous pouvez prendre une idée par rapport à votre business, une idée qui viendrait d'un autre business ou d'un autre marché, et les assembler pour générer une idée C. La question à se poser ici, c'est pas est-ce que vos idées que vous allez générer sont bonnes ou pas. L'idée, pour savoir si une idée est bonne ou pas, en fait, il faut la tester, il faut la mettre en œuvre. Cette concept de boîte à chaussures, c'est imaginez que vous avez une boîte à chaussures, en fait, sur lequel vous allez prendre des notes. Vous allez prendre des notes, vous allez faire des photos, vous allez capturer des pages web, vous allez voilà, trouver plein d'idées, des concepts, des argumentaires de vente, etc. Et vous allez mettre tout ça dans une boîte à chaussures. Et puis, vous allez mélanger. Et puis, lorsque vous avez besoin de faire vos pages, en fait, vous allez regarder un petit peu ce qu'il y a dans votre boîte. Dire, ah ouais, ça peut être intéressant à utiliser. Ce design-là, il pourrait être sympa pour cette page-là. Et en fait, ça vous permet quoi? Ça vous permet en fait d'avoir tout le temps une sorte de base de données sur lesquelles vous pouvez vous référer pour trouver de l'inspiration. Pourquoi est-ce qu'il y a certains sites qui sont horribles ou mal foutus? Bah déjà parce que les personnes ne connaissent pas forcément les concepts dont on vient de parler, qu'elles sont pas forcément bonnes en technique, mais aussi parce que souvent on manque d'inspiration et c'est tout à fait normal. Et en fait, l'inspiration vient en regardant ce qui se passe autour de nous. Et pour ça, vous devez être capable d'avoir cette boîte à chaussures, de créer cette boîte à chaussures. Alors, il y a plein de façons de le faire. Vous pouvez le faire de manière physique avec une vraie boîte à chaussures, en imprimant des documents. Vous pouvez aussi le faire de manière numérique, avec un outil de prise de notes.
Par exemple, moi j'utilise un outil qui s'appelle Evernote, que je vous montrerai après, sur lequel je capture plein d'idées. Et ça me permet, en fait, lorsque j'ai besoin de faire quelque chose, d'aller dessus, de regarder et de trouver des idées. Donc voilà le concept de la boîte à chaussures. Je vous parlais un petit peu de mes outils pour créer des pages web. Alors, la boîte à chaussures, comment ça fonctionne? Moi, j'utilise, comme je vous l'ai dit, un logiciel qui s'appelle Evernote pour prendre des notes, pour rassembler toutes mes idées, toutes mes notes, des emails aussi, comment on voit des emails de vente. Je les mets dedans. Et ça me permet de trouver de l'inspiration. J'ai aussi un carnet, juste ici, qui me permet de faire des croquis, qui me permet de noter des choses. Par exemple, je vous montrerai après, mais je fais un croquis d'une page web qui va me permettre après une sorte de brouillon. J'ai un plugin Chrome qui s'appelle Full Page Screen Capture qui vous permet de faire des captures de web design complet. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un petit outil que vous avez installé sur votre navigateur Internet. Vous cliquez dessus et ça vous sort une image du web design qui vous intéresse. Et c'est comme ça que du coup, bah, lorsque par exemple, je dois faire une présentation comme celle-ci, eh ben, j'ai déjà des exemples. J'ai pas besoin de trouver à chaque fois de nouveaux exemples parce que dans ma boîte à chaussures, justement, j'en ai plein. Et dès que je trouve des bons exemples ou même des mauvais exemples, des contre-exemples, eh ben, je les ai capturés. Je les ai quelque part et je peux les retrouver en quelques secondes. Et simplifier ce travail, c'est vraiment une valeur ajoutée forte pour la suite. Autre site que j'utilise, j'utilise Behance et Pinterest, qui sont des sites graphiques sur lesquels vous pouvez trouver des idées de web design. Behance, c'est un site qui est monté par Adobe et qui est utilisé par pas mal de graphistes. Et là-bas, vous pouvez trouver plein de super designs, des gens donc, pour qui c'est le métier, et qui vont, du coup, vous proposer pas mal de choses. Et vous pouvez vous inspirer de tout ça pour créer vos pages à vous. Également, hein, une de mes autres sources d'inspiration, c'est tout ce qui est de la publicité Facebook. Des fois, je trouve sur des pubs Facebook, je les prends en capture d'écran si je les trouve intéressantes, et je vais sur les sites, je regarde un petit peu comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils racontent, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils écrivent, est-ce que je trouve que mon attention est bien captée ou pas. Et je fais ce travail-là là-dessus pour créer cette boîte à chaussures. D'un point de vue technique maintenant, parce que ça c'est le côté inspiration qui est important, qu'il ne faut pas négliger, et d'un point de vue technique, voilà la liste des outils que j'utilise. Alors moi j'utilise WordPress pour créer mes sites, parce que je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment incroyable. WordPress existe depuis 2003 et c'est tout le temps mis à jour, c'est assez fiable et je trouve que on peut vraiment faire ce qu'on veut avec. Il suffit juste de le maîtriser, mais une fois que vous l'avez maîtrisé, ça vaut vraiment le coup de l'apprendre parce que vous pouvez faire plein de choses. J'utilise aussi de la suite de plugins Five qui permet de capturer les emails, de créer des pages web et pas mal d'autres choses comme ça. J'utilise ActiveCampaign pour gérer mes listes d'emails. Ça, c'est un outil justement pour faire des newsletters, etc. Peut-être un peu complexe. Je vous recommande quelque chose qui s'appelle MailChimp pour vos emails. Je vous l'écris sur le chat, MailChimp, qui est plutôt pas mal. J'utilise aussi Duplicate Post sur WordPress pour copier-coller des pages. Alors ça, on va le voir juste après. Ça vous permet, en fait, une fois que vous avez fait une page qui vous convient, eh ben, vous pouvez la dupliquer pour essayer de refaire un brouillon ou pour faire des modifications sans tout casser. J'utilise Photoshop aussi pour éditer des images. Alors ça, il existe pas mal de logiciels libres. Moi, j'utilise Photoshop, j'ai l'habitude de l'utiliser. Et enfin, j'utilise Google Drive pour écrire mon contenu, le partager à mon équipe. C'est-à-dire qu'en fait, quand je vais faire une page web, je vais d'abord créer une sorte de document Word sur lequel je vais écrire la page. Je vais écrire la proposition de valeur, je vais écrire les différentes idées. Et puis, petit à petit, je vais les modifier comme ça. Et puis, je vais pouvoir le partager à mon équipe. J'ai une équipe pour me corriger. J'ai une équipe voilà, qui va, avec qui des fois je vais brainstormer et générer de nouvelles idées. La génération d'idées, c'est quelque chose qui est très importante parce que vous n'allez pas faire votre site et terminer, le site est fait, c'est bon, on n'en parle plus, on laisse de côté, ça va vendre tout seul. Ça ne marche pas. Ce qu'il faut, c'est faire des itérations, c'est essayer de modifier régulièrement votre site. Par exemple, ma page d'accueil de mon site a été modifiée vraiment à un bon paquet de fois, quoi. Donc, c'est quelque chose que vous allez devoir mettre en place. Voilà un exemple de ce que j'aimerais essayer de faire juste après, si on a un petit peu de temps. C'est le genre de page que j'aimerais créer. Donc, c'est une page d'accueil pour un centre de formation. Donc, ils ont besoin de refaire leur page d'accueil et vous voyez que j'ai noté des idées. Alors, c'est un brouillon, évidemment, hein. Encore une fois, ce que je vous montre là est très important. Je vous montre pas des choses qui sont parfaites. C'est quelque chose que vous devez aussi avoir en tête. C'est que c'est tout à fait authentique, ce que je vous montre. C'est vraiment de la façon dont je travaille. C'est-à-dire que je vais faire des brouillons, je vais prendre des notes, je vais raturer, je vais essayer d'avoir cette petite gymnastique mentale. Voilà.
Et ça va générer une sorte de brouillon comme ça, un peu mal fait, mais ça va être un premier guide pour pas partir à l'aveugle. Parce que si vous partez à l'aveugle, si vous créez une page comme ça, à partir de zéro, et ben là, vous êtes en mode, bah, qu'est-ce que je fais, par quoi je commence, etc. Alors, juste avant qu'on passe à la partie pratique et que je puisse répondre à vos questions, je vous fais juste mon petit pitch par rapport aux ressources que je vous propose. Je vous ai parlé de 3 minutes pour vendre. C'est une série d'articles qui se trouve sur medium.com/3-minutes-pour-vendre. Et en fait, c'est une série d'articles sur lesquels je vous propose des concepts, des études de cas pour apprendre des techniques de vente. Ça nous permet d'aller plus loin par rapport à ce dont on a parlé, notamment hier. Et l'idée, c'est que je vous montre des publicités, des personnalités, des sites web aussi qui vendent. Comment est-ce qu'ils font pour vendre? Comment ils développent leur message? Et comment ils créent un petit peu cette connexion avec leur audience. Donc ça, vous pouvez lire, c'est tout à fait gratuit. Il y a des articles qui sortent chaque semaine. D'ailleurs, le prochain devrait sortir normalement demain. Voilà. Donc ça, c'est pour 3 minutes pour vendre. Et puis, enfin, j'ai la formation librairie. Donc c'est un pack de 3 formations pour vendre plus. Donc vous avez 3 formations dans un seul pack. Vous avez votre stratégie web en 5 étapes. L'idée, c'est ici de définir vos besoins web en fonction de votre temps et argent disponible pour rentabiliser votre site. Vous avez votre site WordPress en 1 heure. Ce que je vous propose justement, c'est que juste après ce petit pitch de vente, je vous montre un peu concrètement comment ça marche, parce que finalement, moi j'utilise WordPress et je vais vous montrer un petit peu ma façon de travailler. C'est une petite introduction. Et puis enfin, premier client d'une semaine qui vous permet d'avoir une stratégie pour trouver vos premiers clients en 1 semaine et lancer vos offres, même si vous n'êtes pas tout à fait encore sûr de ce que vous voulez faire. Donc ça se trouve sur mon site, c'est au prix de 89 euros au lieu de 408 euros jusqu'à mercredi 17h, donc tout à l'heure, il reste à peu près 1 heure. Je pense que j'étendrai jusqu'à 18h, si on a d'entre vous qui hésite un peu, ce que je peux comprendre. Ça se trouve sur dwave.fr/formation/librairie. Ce que je vous propose, c'est que si les concepts théoriques, vous avez des questions dessus, posez-moi vos questions maintenant. Et puis moi, je vais préparer tout doucement la mise en pratique si on a encore un petit peu de temps. Je pense que ça devrait aller. Voilà, et je vous mets le lien dans le chat si la formation vous intéresse. Hop. Et puis, je vais vous partager mon écran. Attendez, je réfléchis en même temps. Je vais essayer de vous montrer cette fameuse boîte à chaussures. Hop là. Alors juste une petite seconde, hein. Il faut juste le temps que je me configure. Hop. Si besoin d'un cas complet, on ne doit pas faire la page d'accueil de notre site web. Alors là, je vais vous montrer autre chose du coup. Mais alors, normalement, vous devriez voir mon écran. Voilà, on se voit 150 fois. Alors, vous voyez mon écran. Alors, je vous montre d'abord la boîte à chaussures. La boîte à chaussures, c'est ça en fait. Donc ça, c'est le logiciel Evernote. Et en fait, dessus, vous voyez que j'ai capturé des pages web. Donc j'ai différentes pages web ici. J'en ai plein de différentes sur plein de sujets différents. Donc vous voyez qu'il y a des pages tout à fait traditionnelles qui nous montrent des choses un peu techniques, un peu voilà, enfin des différentes solutions. J'ai de l'anglais, j'ai de français. C'est ce genre de page d'accueil qui je trouve très intéressant. Ça c'est juste, ça c'est en gros c'est une page d'accueil. On peut pas faire plus simple quoi. C'est-à-dire que l'objectif c'est quoi? C'est on vous dit est-ce que vous voulez plus de trafic? Et après on vous explique qu'il y a une équipe d'experts qui peut optimiser pour vous les résultats de recherche de vos pages. Et donc là, l'appel à l'action, c'est juste avoir une prise de contact. C'est-à-dire qu'on veut en faire en sorte que vous donniez vos coordonnées pour qu'on puisse vous recontacter et vous proposer la solution sur mesure adaptée pour vous. Et c'est tout. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas d'explication comme quoi, comment ça fonctionne, comment est l'équipe, etc. Le seul menu que vous avez, c'est le blog sur lequel il y a différents contenus, différents cours et un formulaire de contact. Voilà, c'est la seule chose que vous avez. Je trouve cette page extrêmement disciplinée et c'est assez intéressant parce que on se rend compte finalement qu'il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup pour que ça fonctionne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah oui, par exemple là, j'ai pris une publicité de l'Éducation nationale. Et leur proposition de valeur était intéressante, donc urgent, unique, utile, ultra spécifique. C'est-à-dire qu'on nous dit ici, l'éducation nationale recrute, inscrivez-vous au concours de recrutement enseignant jusqu'au 15 octobre. Vous voyez, il y a une date limite, ça veut dire qu'il y a un sentiment d'urgence. Voilà, c'est très clair.
Donc, tous ces genres de choses, eh ben, je vais me le mettre ici. Ici, on parle, j'avais justement mis les différents screenshots de Apple Watch dont je vous parlais. J'ai des fois quelques emails aussi. Voilà. Dashlane aussi, dont on a parlé hier. Enfin, avant-hier, je crois, je sais plus. Je crois qu'on en a parlé hier. Voilà. Et en fait, ça, vous pouvez le faire vraiment simplement, même avec un outil de notes, par exemple, sur votre téléphone ou autre. Vous pouvez vraiment faire en sorte de recopier la même chose, d'avoir un endroit où vous allez faire votre boîte à chaussures et mettre vos idées, mettre vos captures d'écran. Par exemple, si je vais... Le partage d'écran ne marche plus. Ah mince, excusez-moi, j'ai pas le... Ça ne marche pas. Ah ok, d'accord. Normalement, vous voyez, ça devrait marcher. Pardon, pardon, pardon. En fait, si vous voulez, j'ai pas le chat lorsque je tournais l'écran, donc je ne voyais pas. Alors, je vais recommencer. Excusez-moi. Donc, voilà ma boîte à chaussures. Et voilà, ce que je vous expliquais, c'est que voilà, ça ressemble à ça. Donc, ça, c'est Evernote. Est-ce que c'est bon, vous voyez? Je reviens juste sur le chat. Voilà. Excusez-moi, parce que voilà, je n'aurais vraiment pas le chat. Est-ce que la page dont je vous parlais, qui était disciplinée, c'était celle-ci? Donc ouais, c'est là où je vous expliquais, bah il n'y a pas de chichi et on vous montre uniquement l'appel à l'action et le différent menu. Est-ce que c'est OK? Yes, youpi. Alors, je dois faire des petits switches d'écran pour revoir le chat. Je vous ai montré quoi? Je vous ai montré l'Apple Watch, dont l'exemple que j'ai utilisé ici. Donc vous voyez, on peut même annoter les différents documents. Pour les présentations, c'est intéressant. On a la publicité d'éducation nationale, ce que je vous expliquais. J'ai des vieilles publicités aussi, des vraiment des publicités, des pages de vente à l'ancienne. Qu'est-ce que j'ai? J'ai ça, une technique un outil qui s'appelle Typeform que je vous recommande pas forcément parce qu'ils viennent de se faire pirater, donc attendez un petit peu. Mais c'est un petit formulaire en fait, pour poser des formulaires à vos différents clients. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que une fois que vous avez complété le formulaire, ils vous disent à la fin, maintenant vous pouvez créer le vôtre. C'est gratuit, c'est simple et c'est superbe. Et du coup, de cette façon-là, ils vous incitent à utiliser l'outil. Et du coup, ça fait grossir la plateforme, parce que plus il y a d'utilisateurs, mieux c'est pour eux. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que je pourrais vous montrer? Voilà, un petit peu. Hein, Alors, ça c'est le design d'une agence de com. Ce que j'aime pas chez eux, par exemple, c'est que on n'a pas vraiment de choses qui différencient. Leur site est très beau, il est très beau, et il n'y a pas vraiment de choses qui soient vraiment impactantes, différenciantes. On dit, bah, c'est des conseils en communication digitale. D'accord, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça change dans ma vie? À quel moment on parle de moi? Si vous voyez un petit peu la suite, on nous dit, bah nous. Nous immergeons dans votre secteur d'activité, nous analysons vos besoins, nous prenons en charge l'opérationnel. Et en fait, l'agence parle beaucoup d'elle, de sa solution, mais ne parle pas vraiment de bah, pourquoi on fait appel à une agence de com, en quoi ça peut vous aider, en quoi ça peut vous changer la vie. Donc ça, c'est un contre-exemple, par exemple, même si c'est très joli et qu'ils font certainement un bon travail en termes de design, en termes de ce qu'ils proposent, c'est quelque chose que j'avais voulu noter. J'avais la back market aussi, voilà, donc ce genre de choses. Donc de cette manière-là, vous allez piocher des idées, vous avoir trouvé des idées pour vous, pour vos différents projets. Par exemple, la back market, bah, c'est un exemple pour faire du e-commerce, par exemple. Il y a pas mal de choses, les différentes sections sont claires. Vous voyez que c'est très épuré, les informations ressortent immédiatement. Voilà. Alors, on vient juste ici pour avoir le chat. Ok, tout le monde voit les infos. Ok, je vais essayer de faire ça rapidement et de vous montrer un petit peu comment fonctionne la création d'une page. Comment je fonctionne, en tout cas, les étapes du début. Ce que j'ai fait, c'est que ici, j'ai différentes images dont je vais me servir. Il y a le logo qui est juste là. Et puis, il y a différentes images dont je vais me servir. Donc, comment je vais faire? En fait, je vais partir déjà de mon site. Alors, évidemment, si c'était si c'était quelque chose que je faisais réellement pour un client, je ferai autrement, c'est-à-dire je ferai ça sur son site à lui. Là, l'idée, c'est que je vais partir de mon site à moi pour le faire. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai une option qui s'appelle copier dans un nouveau brouillon.
C'est quelque chose dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un plugin qui s'appelle Duplicate Post. En fait, ce qui est intéressant, c'est que je vais vouloir récupérer des informations. Par exemple, le menu qui est ici, c'est quelque chose que je vais pouvoir récupérer. Je vais pouvoir peut-être faire autrement. Je vais plutôt prendre celle-ci. Donc ça, c'est la page de vente de la formation dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, je vais la copier dans un nouveau brouillon. Donc là, la page est copiée. Et je vais vous montrer un petit peu comment ça passe, comment ça se passe. J'ai pris celle-ci finalement parce que je voulais avoir ce menu en haut blanc sur fond blanc et ensuite avoir mon image. Donc, alors que là, vous voyez, par exemple, là, je ne l'ai pas mon image. J'ai décidé justement de mettre en avant la photo. Parce que sur. Alors, pourquoi je mets en avant la photo sur mon site? Bah, tout simplement parce que les personnes achètent mes services, mes compétences à moi. Et donc, c'est pour ça que c'est ça que j'ai voulu mettre en avant en premier. Alors, est-ce que ça va charger? Ouais, parfait. Alors, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appeler différemment. Alors, vous inquiétez pas non plus si vous ne comprenez pas tout. L'idée, c'est vraiment de vous montrer globalement comment on fait. Évidemment, si vous voulez creuser dans la technique, il faut aller plus loin sur les différents outils. Et là, on va l'appeler Adrec Accueil. Ici, je vais. On va mettre, juste appeler ça Drake. OK. Donc, j'ai fait ma page, je publie. Je ne vous montre pas tout ça dans les détails. Ce qui va nous intéresser, c'est ça. Ça, c'est un outil qui s'appelle Thrive Architect et c'est un outil que vous pouvez retrouver sur WordPress qui est payant. Je crois qu'il coûte 69 $. Par contre, il y a beaucoup d'outils qui fonctionnent à peu près de la même façon. Il y a Kimdo, il y a Squarespace, il y a Lead Pages, pas mal d'outils comme ça, qui vont permettre de faire vos différentes pages. Donc l'intérêt, c'est que là, je vais ouvrir mon outil et ça charge. Et je vais arriver sur ma page. Je regarde juste si vous avez des questions dans le chat. Alors, ça rame un petit peu parce que je pense que c'est le partage d'écran qui est un peu gourmand en ressources. OK. Donc là, j'ai ma page. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout supprimer. Hop. Tac. Tac. Et tac. Alors, comment ça fonctionne tout ça? En fait, vous devez comprendre que aujourd'hui, la majorité des sites doivent être, enfin, tous les sites doivent être responsive design. Responsive design, c'est-à-dire adapté sur le mobile. Ça veut dire qu'il faut faire en sorte que votre site le soit et en général, ça fonctionne avec un système de colonnes. D6, c'est globalement, vous devez imaginer sur votre site que vous avez 12 petites colonnes et que vous pouvez fusionner ces colonnes. Par exemple, vous pouvez faire 3 colonnes, 3 colonnes, 3 colonnes ou une grande colonne. Je vais vous montrer tout ça. Et ça fonctionne par système de blocs. Donc là, j'ai un premier bloc que j'ai voulu garder. Sur ce bloc-là, il y a mon menu qui est juste ici et il y a mon logo. Alors, mon logo, je vais le changer. Donc, je vais juste à cliquer dessus et je vais changer mon image. Donc là, hop, je vais déposer mon image de cette façon et je vais mettre un break logo ici. Donc là, j'ai mon image et vous voyez que je peux paramétrer certains éléments. OK. Mon menu, je vais le changer. Alors, je rentre pas dans les détails cette partie-là, c'est pas tout à fait ce qui nous intéresse. Vous voyez que j'ai fait différentes choses et c'est des choses qu'on ajustera un peu après. OK. Comment ça fonctionne l'outil? Alors, en fait, c'est très simple. Ici, vous avez différents éléments. Vous avez les paragraphes, les titres d'en-tête, différents boutons, des images, des sections, les différentes colonnes dont je vous parlais. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est background section, qui nous permet en fait de rajouter un énorme bloc ici. Donc, on a ici notre bloc. Ce bloc-là, on va ajouter une image. Donc ici, on a un outil qui va nous permettre de rajouter cette image-là. Hop. Donc on va choisir notre image. Donc j'ajoute mon image juste ici. Ok, ça c'est pas cool. Ça c'était pas prévu du tout. Ok, non, c'est bon.
Ça m'a l'air d'être OK. Voilà. Donc ici, on a ajouté notre image. Donc l'idée ici, c'est de faire cet effet de fond qu'on a sur pas mal de sites. C'est-à-dire que vous avez votre site, le menu et la photo juste en dessous. Je vais augmenter la taille ici de la section. Alors, je n'augmente pas la taille de l'image, j'augmente la taille du bloc qui est derrière. Ce qui fait qu'on va rajouter différents éléments. Qu'est-ce qui va m'intéresser maintenant? C'est de mettre un titre. Donc, mon titre, en fait, je vais glisser tout simplement ici. Je vais faire en sorte qu'il se mette au milieu. Voilà. Donc là, je vais mettre ma fameuse proposition de valeur. Donc, la proposition de valeur que j'ai mise, c'est « formez-vous » et « transformez-vous ». Donc, évidemment, je la veux en blanc parce que ici, on ne voit pas assez. Je la veux en plus grand. Et on va utiliser après différents outils qui vont nous permettre de positionner notre texte. Vous voyez que là, le problème, c'est que notre texte, il est totalement collé au bord. En fait, il y a un outil qui va nous permettre ici de mettre des marges. Cet outil fonctionne à peu près pour tous les éditeurs de ce type-là. Donc, vous avez deux choses à comprendre. Vous avez la marge. La marge, c'est, en gros, laisser une marge par rapport aux différents côtés, donc à gauche, droite, haut, bas, par rapport à votre bloc. Vous considérez qu'en fait, vous allez ajouter des blocs les uns sur les autres. Donc là, par exemple, je vais décider que là, on est 100 pixels de marge. C'est-à-dire que par rapport au bord, on aura 100 pixels ici. On peut aussi décider de centrer notre texte avec les outils qu'on a en bas. On peut réduire la taille du bloc aussi. Donc, par exemple, je vais... Attendez, je centre mon texte ici. Hop. Et vous voyez qu'en fait, là, on va pouvoir agir de manière avec des pourcentages pour faire en sorte que par rapport à la taille de notre des différents côtés, eh ben, ce texte reste un petit peu là-dessus. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est que vous devez essayer différentes options. Évidemment, vous n'allez pas tout comprendre du premier coup. Vous devez vous mettre sur l'outil. Vous devez l'essayer. Vous devez l'appréhender. Vous devez essayer de comprendre à quoi servent les différents outils. Donc, hop. Voilà. Le carré qu'on a en dessous, c'est le padding. Le padding, en fait, c'est tout simplement la marge. Ça nous permet en fait de mettre des marges sur les côtés, à droite, à gauche, en haut, en bas. Et en fait, le padding, c'est des marges internes, en fait. C'est-à-dire que là, par exemple, on va pouvoir décaler notre texte et c'est la marge qu'on va avoir à l'intérieur du bloc. Alors, j'espère être assez clair par rapport à ça. Cela peut s'assimiler à une extension comme Visual Composer. Exactement, Aude, c'est un petit peu le même principe. Donc là, après ça, vous le gérez un petit peu comme vous voulez. Hop. Et en fait, voilà, vous allez un petit peu naviguer là, dans tout ça. Bon, là, on a notre texte. Très bien. On va ajouter autre chose. On va ajouter un petit paragraphe juste en dessous. Attendez, on va faire un petit peu de choses. Sur ce bloc-là, ici, attendez, comment on fait pour sortir ça? Ok. Sur ce bloc-là, vous pouvez ajouter une marge de base, en fait, pour faire en sorte que tout ce qui va se trouver dans ce bloc ait cette marge-là. Donc, par exemple, hop, là, on ajoute notre marge. Et du coup, tout ce qui va se passer dans notre bloc aura les marges de base incluses. Bon, c'est du technique. Ici, on va mettre formation diplômante. On va se mettre en blanc. CAP à bac plus 2. Donc, pareil dans cette optique-là, on monte un petit peu la taille. Donc, ici, on arrive sur le site. On arrive sur la page et on voit formez-vous et transformez-vous, formation diplômante de CAP à bac plus 2. Et du coup, on reprend immédiatement qu'est-ce qu'on va obtenir sur le site. Là, la question, c'est OK, une fois qu'on est là, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on veut que la personne fasse? Alors, une hypothèse qu'on peut faire, c'est qu'on a réalisé une vidéo et on peut très bien dire aux différentes personnes, vous pouvez regarder la vidéo qui présente l'institut de formation ou vous pouvez aussi faire en sorte de recevoir de prendre contact avec nous.
Donc, par exemple, ici, on va pouvoir faire un bouton. On va ajouter notre bouton, hop, juste ici. Et on va ajouter notre bouton et on va mettre, par exemple, je sais pas, on va mettre découvrir nos formations. Et voilà, on va mettre un petit fond. On peut par exemple mettre notre, notre bouton en blanc pour qu'il ressorte. Notre texte, du coup, on va le mettre en, en noir ou en orange. Voilà. On va mettre le bouton un peu plus grand. Hop. Tac. Et voilà. Et de cette manière, vous voyez que là, tout d'un coup, bah, vous avez déjà quelque chose qui commence à, enfin, commence à ressembler un peu à quelque chose. Vous avez ces différentes hiérarchies visuelles. On montre ce qu'on a envie de vous montrer par rapport à ça. Et on peut faire cet appel à l'action. On peut après mettre un lien sur le bouton. La personne est redirigée sur différentes pages. Voilà un petit peu pour l'idée. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à ça? Est-ce que, je ne sais pas si Michel, tu veux, on a le temps d'aller plus loin ou pas? Si tu peux me dire dans le chat. Quand on a l'habitude d'utiliser Visual Composer, est-il vraiment, est-ce qu'il y a vraiment intérêt à passer par Flow Architect? Pas forcément. En fait, ce que j'aime bien sur Flow Architect, c'est que il est plus flexible, il est plus malléable, il y a plus de choses possibles à faire, je trouve, sur l'outil. Il est plus stable. Maintenant, si vous avez l'habitude d'utiliser Visual Composer, allez-y. L'idée, c'est vraiment, ça, c'est une méthodologie qui est propre à moi. À vous de trouver la vôtre. Je vous ai donné des outils, je vous ai donné des concepts, et c'est à vous de créer ces différentes choses. Voilà. Ce que vous devez comprendre, c'est cette histoire de marge, qui est pas tout à fait claire au début, mais en gros, il y a des marges extérieures et des marges intérieures par rapport à votre élément. Vous devez comprendre que vous devez faire en sorte d'avoir une hiérarchie visuelle qui est claire, c'est-à-dire que, quelle est l'action que la personne doit faire sur le site, et voilà, essayez de faire en sorte que ce soit le plus simple possible, qu'il y ait des photos personnalisées si vous voulez mettre des photos. Je peux vous montrer un exemple de site qui est extrêmement simple et qui fonctionne bien. Mais c'est vraiment le site le plus simple du monde, vous allez voir. Je vais essayer de vous montrer ça. Juste une seconde. Ok, je l'ai trouvé. Je vais vous partager mon écran. Voilà. Ok, je vous repartage mon écran. Check. Et voilà. Ok. Voilà par exemple le site d'un gars qui s'appelle Nat. Et vous voyez que son site est extrêmement simple. Il y a la photo de la personne qui nous donne un petit élément de sympathie par rapport à lui. On le voit, on met un visage sur la personne. C'est-à-dire que si vous utilisez ce genre de photo, bah, tout de suite, vous allez créer, vous pouvez pas créer une connexion avec un ordinateur ou avec du texte comme ça. Vous créez cette connexion, vous pouvez créer une connexion beaucoup plus facilement avec une photo, personnalisée de vous. Ensuite, on a une explication claire sur le contenu. Qu'est-ce qu'on va trouver en quelques lignes? Et puis, on a à nouveau cet appel à l'action. C'est-à-dire qu'en gros, la personne, fait des articles, fait du contenu, crée des podcasts, écrit des livres. Et ben ici, il nous dit bah si vous voulez recevoir le meilleur de mon contenu, mettez votre adresse ici et je vous l'envoie. Ça c'est super simple et ça peut très bien fonctionner. N'y a-t-il pas dans WordPress des outils intégrés qui fonctionnent bien aussi? Alors il y a Divi, je crois. Fonctionne comme ça. Il y a Visual Composer, mais qui lui est payant. Donc, si vous payez, moi, je vous conseille quand même Five Architect, qui est mieux, je trouve. Parce que je crois que Visual Composer coûte 30 euros. Visual Composer coûte 30 euros et Five Architect coûte 69. Ce qui est bien aussi sur la suite Five, c'est que le rapport qualité-prix est vraiment bon et que vous avez un autre outil qui s'appelle Leads, qui est un autre plugin payant.
mais par contre qui vous permet de faire la capture d'email assez simplement. Et lorsque vous avez une licence, bah, vous avez votre licence, quoi. C'est-à-dire qu'elle va vous servir, elle est mise à jour tout le temps. Donc ça, c'est chouette. Maintenant, j'ai une info aussi, je crois que WordPress va sortir son propre éditeur bientôt, dans sa prochaine version 5. Où du coup, il y aura un éditeur de ce type-là intégré. Le problème, c'est qu'on ne sait pas trop ce que ça va donner, si ça va être aussi puissant, etc. D'un point de design, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, voilà. Aussi, ce qui est bien avec Five, c'est que vous avez des modèles. Par exemple, est-ce que je peux vous montrer ça? Check. Je vais vous montrer ça, je regarde juste où c'est. Ok. Je l'ai ici, donc. Ici, par exemple, vous avez des modèles en fait de pages de vente. Vous avez pas mal de petites choses possibles. Et ça va vous permettre tout simplement d'avoir des idées, d'avoir des choses sur lesquelles partir. Et de cette façon-là, en fait, vous avez juste à modifier différents éléments par rapport à ce qu'on vous propose. Évidemment, il faut quand même apprendre l'outil, mais c'est une façon de faire. En fait, ce que vous devez bien comprendre dans tout ça, c'est qu'il y a vraiment deux options. Soit vous faites tout faire par des prestataires, mais ça veut dire que du coup, vous êtes un peu dépendant de ces prestataires si vous voulez faire des modifications. Et vous ne savez pas forcément de leur façon de travailler. Donc voilà, ça peut être une bonne chose si vous les gagnez du temps et si vous avez le budget pour. Mais sinon, vous pouvez apprendre. Et il faut vous dire que même si ça fait peur au premier abord, en fait, en mettant les mains dedans, vous allez apprendre. Vous allez comprendre comment ça fonctionne, comment ça se met en place, comment on installe un site, etc. Peut-être, j'ai vu que pas mal d'entre vous utilisent déjà WordPress, donc peut-être que vous avez appris à le faire. En fait, ce genre d'éditeur, c'est la même chose. Si vous avez besoin d'acheter, d'apprendre WordPress, il y a énormément de tutoriels sur Internet. Dans la formation que je vous ai proposée, Librairie que je vends, là où il y a ces trois packs, il y a créer votre stratégie web en 5 étapes, premier client en une semaine, et il y a créer votre site WordPress en 1 heure. Et dans cette formation-là, justement, je parle de comment est-ce que vous voulez mettre en place votre site de manière simple. Je vous explique comment fonctionne un site Internet, comment avoir votre nom de domaine, etc. Et il y a aussi cet aspect de prise en main de l'outil. Je vous montre ce qui est possible de faire avec l'outil de Five. L'idée après, c'est de cette formation, c'est qu'en 1 heure, vous apprenez vraiment les bases qui vont vous servir. WordPress est tellement énorme qu'il y a tellement de choses à apprendre, mais il n'y a pas besoin de tout savoir en fait. C'est comme ce que je vous ai dit hier et avant-hier. C'est-à-dire que vous pouvez devenir très bon dans un domaine et savoir des bases de tout. Avoir des bases de web, savoir faire un site web, savoir créer les pages qu'on a envie de faire, être autonome là-dessus. Je trouve que c'est très intéressant et important aujourd'hui dans une ère où justement on a besoin souvent de faire des sites web. Parce qu'imagine demain, pour votre activité, vous créez un événement, peut-être que vous allez avoir besoin d'une page pour parler de cet événement-là. Que faire si vous êtes dépendant de prestataires? Le prestataire va vous apporter vraiment une expertise. La valeur des prestataires, c'est justement de vous apporter une expertise et de vous guider sur ce que vous devez mettre en place, sur la façon dont vous voulez agencer votre site. Mais sur le côté technique, si vous n'avez pas des choses trop complexes, et si vous démarrez, ça peut être intéressant d'apprendre à le faire vous-même. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a vu? Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur certains éléments? Si c'est OK. Qu'est-ce que vous utilisez par exemple pour vos sites Est-ce que vous utilisez déjà ce genre d'éditeur ou est-ce que vous faites autrement?
pas s'il y a un peu de latence ou quoi, mais. Ok. Et vous n'avez pas de questions du coup? Est-ce que tu étais ok du coup? Page blanche pour. Page blanche, c'est-à-dire. C'est-à-dire, Cyril, vous savez pas par quoi commencer? WordPress, ok pour moi. Alors, je pense qu'il y a un petit peu de délai, donc n'hésitez pas à poser bien vos questions. Ce que je peux faire, c'est vous montrer aussi. Je peux vous montrer aussi Behance un petit peu, peut-être. Alors, tac, je repartage ça. Est-ce que vous vous sentez confiant après ce webinaire par rapport à tout ça? Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que vous vous sentez plus confiant dans votre démarche par rapport à ça? Utiliser un thème WordPress, c'est le thème Jupiter. D'accord. Alors, Behance. Oh. Alors, Behance, en gros, ça ressemble à ça. Donc, vous voyez qu'il y a plein, plein de choses. Il y a plein, des choses assez conceptuelles. Et en fait, vous allez pouvoir faire des recherches. Ici, vous avez l'outil pour faire des recherches. Chercher, filtrer. Et vous pouvez taper, par exemple, web design. Allez trouver sur énormément de choses différentes. Alors, c'est des choses faites par des graphistes certaines fois. Donc, il y a des choses peut-être qui sont plus difficiles à faire avec des éditeurs, qui demandent vraiment là des compétences pro. Mais vous pouvez trouver des idées d'interface, des idées ouais, de design, de mise en page. Voilà. En fait, en regardant ce que font les autres, vous allez apprendre. Par exemple, là, je vous ai montré deux, trois concepts. Vous allez apprendre ce genre de choses. Je trouve que les études de cas, c'est un des meilleurs moyens d'apprendre quelque chose. Parce que vous voyez comment les autres ont fait, comment ils ont pensé, comment ils ont réfléchi par rapport à leur marché, par rapport à leur connaissance de leurs clients. Et ça, c'est super intéressant. Par exemple, alors, j'ai pris quelques exemples ici. Ouais, vous voyez que j'ai pris là deux, trois exemples au hasard. Donc là, ils nous montrent un peu leur site. Donc c'est quelque chose de très épuré. On retrouve un petit peu ces différents appels à l'action là qui ressortent par contraste. Là, par exemple, sur ce site, on veut que la personne crée un compte. C'est l'appel à l'action principal qui ressort juste ici. Après, on explique un peu comment ça fonctionne. Voilà. Bon, après, les personnes, il faut savoir que c'est un peu pour les graphistes leur portfolio. Donc, ils vous montrent pas mal de détails. Là, par exemple, ils vous montrent les différents codes couleurs qui sont utilisés dans le projet. Ils vous montrent les différents pictogrammes qu'ils ont faits. Certains éléments d'interface. Donc, c'est des choses qui sont assez complexes. C'est des documents pro presque. Mais ça peut vous donner des idées, en tout cas graphiques. Effectivement, reproduire ce genre de choses, c'est peut-être un peu compliqué, mais vous pouvez vous en inspirer. C'est ça que vous devez vraiment avoir en tête. Là, par exemple, qu'est-ce qu'on a? Un autre web design. Hop. Voilà. Certaines personnes s'amusent à redesigner des pages. Là, vous voyez, landing page, page de vente. Donc la personne, pareil, nous montre différentes façons présenter son site. Vous voyez, on retrouve toujours un petit peu ces idées d'appel à l'action. Un peu moins présent, vous voyez que bleu sur bleu, là, par exemple, c'est pas top. C'est pas un super exemple là-dessus, quoi. Là, qu'est-ce qu'on a? Un site sur du Bitcoin. Pareil, proposition de valeur, appel à l'action. Vous voyez que là, par exemple, cette page, elle est très simple en fait. Il y a vraiment un, deux, trois éléments, quatre peut-être. Et eux, ce qu'ils veulent faire en sorte, c'est que vous utilisiez leurs produits. Donc vous inscrivez. Voilà. Alors, moyen. Alors, du coup, n'hésitez pas, tant qu'on est encore un peu là, quand on est en ligne, si on a le temps, Michel, hein, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me poser vos questions par rapport à ça. Qu'est-ce qui vous fait douter encore? Est-ce que il y a des choses qu'on voulait qu'on voit, des choses qu'on a peut-être parlé ou peut-être survolé, ou des choses sur lesquelles c'est pas clair, ou des exemples particuliers? Alors, je ne veux pas donner des réponses tac au tac sur chacun de vos exemples, évidemment, mais peut-être qu'on peut soulever des pistes.
Merci, beaucoup de bonnes idées. Bah, pas de problème, José, c'est un plaisir. Bon, eh bien écoutez, si vous avez encore des questions, je vous laisse les poser. Je vous rappelle que la promotion sur la formation, elle se termine dans 1 heure ou 2. Donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse. C'est satisfait ou remboursé. Donc, vous pouvez aussi très bien voir si vous avez le budget pour regarder la formation, puis après vous voyez si ça vous a servi ou pas. Donc à vous de voir. Sinon, bah, vous pouvez aussi me contacter par mail, je vous répondrai avec grand plaisir. Beaucoup d'infos très utiles, ça paraît plus clair, encore beaucoup de travail. Bah, ça, c'est sûr, c'est vrai que souvent sur le web, on nous vend un petit peu la réussite facile, les 7 étapes pour arriver à vendre tout de suite et devenir riche et avoir des revenus passifs. C'est souvent faux en fait, parce que les personnes qui arrivent à avoir des revenus passifs sont quand même vachement travaillées. Ils sont donnés, ils ont dû comprendre leur marché, ils ont dû faire pas mal de choses. Et puis, il y a eu toutes ces étapes d'apprentissage sur les différents sujets. Et faut faire attention un petit peu à ces discours. C'est vrai qu'ils sont un peu, ça peut poser souci. Mais si c'est clair pour la mise en forme, on préfère un professionnel. OK. À vous de voir. On maîtrise bien la technique WordPress maintenant, mais on doit surtout retravailler nos pages en suivant vos conseils. Aucun souci. Est-ce qu'il y a des outils ou des choses pour intégrer des moyens de paiement? Alors moi, ce que je fais, alors les moyens de paiement, ça c'est une bonne question. Les moyens de paiement, c'est une bonne question. Alors, je pense que c'est intéressant de faire appel à des pros lorsque vous faites un e-commerce et qu'il y a du coup des données. Enfin, d'une manière en général, dès que vous manipulez des données sensibles directement sur votre site, faites appel à un pro. Le pro n'est pas le risque de vous retrouver bloqué ou d'avoir des problèmes par rapport à ça, parce que vous pouvez avoir une amende assez énorme. Par exemple, là, j'ai entendu dire qu'il y avait une association qui s'était pris 70 000 euros d'amende parce qu'il y avait des données sensibles et qui est accessible par tout le monde à cause d'une petite faille. Donc, faites vraiment attention à ça. Moi, dans mon cas, par exemple, les informations dites sensibles, déjà, j'en ai peu, j'ai juste des emails. Donc, ces emails-là, ils sont traités sur un outil qui s'appelle ActiveCampaign. Vous avez parlé de Mailchimp tout à l'heure, peut-être que vous connaissez, c'est la même chose. C'est un outil, en fait, externe ou sur lequel il y a les différents emails. Donc c'est quelque chose que je paye à l'année. Et dessus, je sais que s'il y a le moindre problème, c'est eux qui sont responsables et c'est pas moi. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant à prendre en compte. L'autre chose, c'est que pour les paiements, comment je fais? Alors moi, pour prendre les paiements, j'utilise PayPal. Je fais en sorte que les gens puissent payer par PayPal parce que je sais que PayPal, c'est quelque chose qui est sûr, quelque chose qui est pareil, qui est très sécurisé. Et je ne prendrai pas le risque de prendre les paiements directement sur mon site. Donc, je vous conseille, si c'est votre cas à vous, de vraiment faire en sorte, en fait, de prendre le minimum de paiements directement sur votre site et d'avoir des outils externes. Donc, deux outils qui me viennent en tête, il y a PayPal et il y a Stripe qui vous permettent de faire des choses sympas. PayPal est intéressant parce que du coup, vous pouvez faire des boutons assez simplement, des boutons d'achat assez simples et vous pouvez prendre les paiements comme ça. Après, ça dépend si vous êtes des e-commerce, parce que vous avez toute une problématique de gestion de stock, etc. Donc ça, c'est plus compliqué. Ça demande plus d'outils. Encore une fois, je suis pas compétent sur tous les domaines. Donc pour le e-commerce, c'est vraiment un domaine que je maîtrise pas. Donc je ne veux pas vous dire de bêtises. Mais juste ce que je peux vous dire, c'est que faites attention si vous manipulez des paiements. Évitez d'utiliser vos propres outils. Utilisez des outils qui sont sur lesquels on a déjà confiance. Parce que en plus de ça, on parlait de friction d'achat. Au début, c'est-à-dire que pour convertir, votre argumentaire doit être bon, votre site doit être agréable, compréhensible, et la friction d'achat doit être le plus faible possible. C'est-à-dire que ça doit être facile de commander. Et une des choses qui va casser un petit peu cette facilité de commande, c'est si on doit directement payer sur votre site. Vous voyez, c'était le gros problème des e-commerce avant. Les e-commerce, il y a encore 10 ans, les gens avaient peur de payer sur Internet. Et encore aujourd'hui, certaines personnes ont peur de payer sur Internet. Beaucoup moins, mais parce que ça rentre dans les mœurs, mais il y a toujours cette question de où est-ce que va aller mon argent, où est-ce que vont aller les données, est-ce qu'ils vont les garder, est-ce que je vais pas me faire arnaquer. On a tous entendu des histoires de personnes qui se sont fait escroquer. Forcément, on est un peu méfiant, c'est normal. Et du coup, si vous avez un tiers de confiance qui est agréé, qui est connu, que ça soit par exemple bah, PayPal ou Stripe, c'est OK. Vous avez la confiance de ces outils-là. Donc, a priori, vous n'avez pas vraiment de problème là-dessus. C'était mon point de vue personnel, évidemment.
si vous avez d'autres questions. Sinon, on va peut-être conclure. En tout cas, ne lâchez rien. Travaillez vraiment là-dessus. Comprenez votre client. Ça, c'est très important. Vous avez votre produit, ce que vous voulez faire, c'est bien. Maintenant, vous devez vraiment travailler. Si vous voulez avancer, la chose que vous devez absolument retenir de toutes ces trois webinars, au-delà du design, etc., c'est aller comprendre un maximum votre client. Allez lui parler. Allez essayer de comprendre vraiment par rapport à votre produit comment vous pouvez l'aider au mieux, comment vous pouvez lui faire un meilleur service, comment vous pouvez lui simplifier la vie. Tout ça, ça va augmenter la valeur de votre produit tôt ou tard, en fait. Déjà, plus vous allez, en fait, si vous avez le meilleur produit du monde, ça va être plus simple. Et donc, c'est à vous de créer ce meilleur produit du monde. Il y a quelque chose que je disais justement à quelqu'un hier, c'est que si vous prenez les 10 plus grandes entreprises du monde actuellement, il y a un point commun entre ces entreprises, celles qui font le plus de résultats, c'est que ces 10 entreprises, elles ont un produit exceptionnel. Ça, c'est la base. C'est pas quelque chose magique. Il faut le travailler. Et pour avoir un produit exceptionnel, il faut connaître votre marché, il faut connaître vos clients, il faut savoir tout ça. Donc vraiment, je vous invite à travailler là-dessus, travailler sur votre produit, travailler sur votre connaissance du client. Et puis là, vous avez des petites techniques qui vont permettre de broder un argumentaire de vente. Gardez juste en tête aussi, c'est un autre truc que vous devez retenir, c'est cette histoire de bénéfices qu'on fait nos achats sur les bénéfices et non pas sur les fonctionnalités de votre produit. Donc, travaillez vos bénéfices. Vous devez vraiment être capable de dire qu'est-ce que ça apporte dans la vie de mon client. Voilà. Je vous remets le lien de la formation de Librairie pour ceux que ça intéresserait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter par email sans aucun souci. Je vous mets ça dans le chat. Je vous remets toutes les infos. Donc, formation, elle est en promo jusqu'à encore dans 2 heures. Mon email, le voici. Hop. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai aussi des séances de coaching pour ceux qui ont envie. Donc voilà. Et puis voilà. Bah, sinon, je vous souhaite bon courage pour vos projets. Ne lâchez rien. Et puis, je vous dis à très bientôt. Du coup, pour de nouvelles aventures. Voilà. Merci beaucoup.